Bonjour, bonsoir, Katie. So this is a recording of the summary of the class we had on Wednesday, mercredi 5 août, leçon 30 sur 44. Quelles sont les villes françaises que tu connais? What are all the French cities that you know? Je connais Paris. Quoi d'autre? What else? So we did les petits déjeuners du monde. Okay, we compared a lot of stuff. Je préfère, je n'aime pas, j'aime. Je déteste, I detest, I hate, etc. Donc, quel est le thème du reportage? C'est les petits déjeuners du monde. Ok. Craig, le propriétaire du restaurant, est américain. Il a un restaurant de cuisine américaine en France et il n'aime pas le petit déjeuner français. En fait, il n'aime plus. Il no longer likes the French breakfast. Donc, les Américains mangent plus le matin parce qu'ils ont moins de temps le midi que les Français. So Americans eat more in the morning because they have less time at noon than compared to the French. Dans le petit déjeuner américain, il y a plus de gras que dans le petit déjeuner idéal et assez de calcium. Le petit déjeuner turc dure, last, en moyenne, 1 heure. Last, an hour, 1 hour, average. Donc le petit déjeuner turc est plus gras que le petit déjeuner idéal et complet. This is my cat. Les Japonais mangent plus souvent, more often, du poisson que le reste du monde. À quel aliment typique de la cuisine française est comparé le riz? So the Japanese eat a lot of rice, Chinese as well, and the bread is the most common, thing the French eat. So we don't eat a lot of rice, but we eat a lot of bread. Le petit déjeuner japonais est le meilleur petit déjeuner, the best breakfast. Okay. Alors, ton petit déjeuner préféré, c'est quoi en général? Quelque chose de simple. Des céréales, de l'avoine. Est-ce que tu aimes le petit déjeuner italien? C'est très léger, mais c'est très sucré. Very sweet. Le petit déjeuner italien, des Italiens, est léger, rapide et sucré. Light, fast and sweet. Tout comme pour l'Australie, les saucisses sont aussi considérées comme l'élément typique d'un petit déjeuner allemand. On trouve aussi du muesli, des céréales et du pain avec de la confiture. So in Austria, they have sausages. It's the most typical element of the German breakfast. You can find muesli, cereals and bread with jam. Le pain avec du fromage et des œufs sont aussi une option choisie par de nombreux habitants. So they can also eat bread, cheese and eggs. Okay. So, un petit déjeuner trop copieux, trop riche, too rich. That means the same. Hein? Certains déjeuners sont dégoûtants. Des cornichons, un œuf dur, de la viande grillée, du poisson. Plus gras, plus sucré, plus riche que, moins riche que, aussi riche que. And we talked about, I'm just putting the conjugated form, okay? Je descends les escaliers, going down the stairs. Je monte les escaliers, going up the stairs. J'entre dans le bureau, to enter, I enter. Je sors, I exit, I leave the office. Je marche, I walk. Je cours, I run. Je saute, I jump. Je danse, I dance. Elle pleure toujours, she cries always. Il rit souvent. He laughs often. He's often laughs. Il mange un sandwich. Elle boit de l'eau. She drinks water. Il regarde la télé. He watches TV. Il parle beaucoup. He speaks a lot. Elle écoute la radio. She listens to the radio. Il écrit ses devoirs. He writes his homework. Elle lit un livre. She reads a book. Elle dessine une fleur. She draws a flower. Je téléphone à mon ami. I phone call my friend. Je dors bien.
I sleep well. J'arrive chez moi. I arrive at home. Je pars tôt. I leave early. Il chante bien. He sings well. Il étudie dur. He studies hard. Okay. So we're going to have to review that, but we have a lot of, we need to make a phrase or sentence with se souvenir, tenir, fuir, partir, ouvrir, servir. So we need to make families here. All those guys, they have the E-E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-T ending, even though they have they are like from the third group. Ouvrir, cueillir, to harvest, to pick. Courir, S-S-T-O-N-S-E-Z-E-N-T. And all those guys are going to have the ending S-S-T-O-N-S-E-Z-E-N-T. Okay? So we have courir, dormir, partir, servir, all together. Ouvrir and cueillir, one specific ending. Okay? Mourir, to die. Acquérir, to get. Fuir, this one is special. But mourir and acquérir will also have the S-S-T. And but they have a different ending. I want to review that again. So je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous mourrez, il meurt. J'acquiers, tu acquiers, il acquiert, nous acquérons, vous acquérez, ils acquièrent. Je fuis, I flee, I escape. Tu fuis, il fuit, nous fuyons, vous fuyez, il fuit. Okay. Se souvenir, to remember. So je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons. Vous vous souvenez, ils se souviennent. Tenir is to hold. Je tiens, tu tiens, il tient. Nous tenons, vous tenez, ils tiennent. Don't forget your homework. Voilà, à très bientôt, Katie. Bye bye.